Début de saison particulier dans la Ligue amateur de football sicilienne, le championnat accueille désormais une équipe composée intégralement de jeunes demandeurs d'asile. La Sante Calcio, basée à Palerme, fait ses débuts en 3e catégorie, la division la plus basse, et sera entraînée par l'ancienne gloire du football italien Toto Schillaci. Ce n'est pas que du football, c'est aussi de la solidarité. Nous travaillons sur l'aspect humain pour qu'ils prennent vraiment du plaisir. Ces garçons rêvent tous de devenir footballeurs professionnels. Nous allons tout donner pour qu'ils y arrivent. Ils doivent gagner. L'objectif, c'est de remporter le championnat, qu'ils se mettent en valeur. Ils ne vont pas rentrer sur le terrain pour s'amuser, mais pour gagner. Les quelques 20 recrues, toutes mineures, auront une première occasion de briller ce dimanche lors de l'ouverture du championnat.